Dee Dee Moore est presque une caricature. Je pense qu'elle croit réellement que ce qu'elle raconte est vrai. C'est inhumain. La prison est inhumaine. Je dois avouer que je ne savais pas qu'on pouvait traiter des êtres humains de cette façon. Je ne croyais pas qu'on pouvait être traité comme ça. Beaucoup de ces prisonniers... On pourrait économiser l'argent des contribuables s'ils restaient chez eux avec des bracelets électroniques. Ils pourraient travailler. Au lieu de gaspiller l'argent des contribuables et les traiter comme ça. Dee Dee Moore a été reconnue coupable du meurtre de son ami Abraham Shakespeare. Condamnée à la prison à vie, elle continue de clamer son innocence et elle affirme que la vérité n'a toujours pas éclaté. Mettez-vous à ma place. Je trouve complètement stupide qu'on puisse croire que je l'ai tué. Je me sens... Vous n'avez qu'à examiner les preuves. Je suis persuadé qu'elle croit sincèrement qu'elle est innocente. Sincèrement. La vie d'Abraham Shakespeare a changé du jour au lendemain. Il a eu une enfance difficile. Un jour, il est allé à une station-service avec un ami et il lui a dit « Voilà $1, achète-moi donc un billet de loterie. » Ce dollar, ce billet de loterie, s'est transformé en $30 millions et Shakespeare a dit « Je vais garder 17 millions pour moi. » Ce n'est pas parce qu'on gagne à la loterie que la vie s'améliore. C'est souvent le contraire. C'est ce qui est fascinant avec la loterie. Elle peut chambouler, elle peut changer, elle peut transformer la vie des gens les plus ordinaires. Abraham Shakespeare a abandonné l'école en 7e année. Il pouvait écrire son nom, mais c'était à peu près tout. Puis, subitement, il a 17 millions dans son compte en banque. C'était quelqu'un de vulnérable, de peu instruit, facile à manipuler, surtout par une femme flamboyante qui lui dit « Je veux être ton ami ». Il était très futé, très futé. Il était très gentil et très futé. Je voulais trouver un sujet intéressant pour écrire un livre. Son amie Barbara était une courtière en immobilier. Barbara a suggéré que Shakespeare ferait un bon sujet de livre à cause de son histoire et de tout ce qui lui était arrivé. Alors on s'est rencontrés. Elle a une forte personnalité. Quand elle entre dans une pièce, elle prend toute la place. Je suis certain que Shakespeare est tombé sous son charme. J'étais devant lui et je me disais « Waouh, ça ferait un excellent livre, et peut-être même un film, parce que c'est complètement fou, ça n'arrive jamais. » Elle n'est pas écrivaine, mais tout à coup, Dee Dee Moore veut écrire l'histoire d'un homme qui a gagné à la loterie. Mais ça ne fait pas un livre. Elle ne voulait pas écrire un livre sur lui. Quand on regarde de plus près la vie de Dee Dee Moore, on découvre plusieurs choses étranges. Elle a travaillé pour une compagnie de cellulaire où elle vendait des contrats, des choses comme ça. Elle a été congédiée. Congédiée pour fraude. Pour fraude. Donc, ça en dit long sur la personnalité de Dee Dee Moore. Les dossiers de la police indiquent que 7 ans avant sa rencontre avec Abraham Shakespeare, Dee Dee Moore a été arrêtée pour une histoire de fraude à l'assurance. Elle aurait été retrouvée ligotée dans un fossé par un passant. Une fois à l'hôpital, elle a prétendu avoir été agressée, kidnappée et violée par 3 hommes d'origine hispanique. Ceux-ci lui auraient également volé son véhicule d'une valeur de $46 000. Rien de tout ça ne tient la route. C'est une supercherie. Elle n'a jamais été ligotée, elle n'a jamais été violée, elle n'a pas été bâillonnée, elle n'a pas été battue. Elle a tout planifié. Elle a demandé à 3 hommes de lui prendre son véhicule. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait plus à le payer. Elle n'en avait plus les moyens. Je ne suis pas une criminelle. Je ne suis pas malhonnête. Vous pouvez me faire passer un contrôle antidrogue. Prenez un échantillon de mes cheveux. Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. Vous avez été reconnu coupable d'autres choses avant. Je ne suis jamais allée en prison et je n'ai pas été condamnée. J'ai présenté un plaidoyer de non-contestation. C'est différent. Au cours de leur enquête, les policiers apprennent que Dee Dee est lourdement endettée. Après sa condamnation, elle et son mari doivent payer un dédommagement et ils déclarent faillite peu de temps après. C'était il y a 15 ans. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez fouiller dans mon passé, pourquoi vous ne parlez pas des 15 ou 20 années où j'ai travaillé comme infirmière, où j'ai aidé des gens, où j'ai hébergé des gens chez moi? N'essayez pas de me faire passer pour une personne cupide, parce que je ne suis pas comme ça. Elle est passée d'une fraude mineure à une fraude de plusieurs millions de dollars. Dee Dee avait en Abraham Shakespeare son laissez-passer pour un avenir meilleur. Il était tout ce qu'elle cherchait. Dee Dee Moore était quelqu'un qui, tout au long de sa vie, avait commis de petites fraudes pour tenter de déjouer le système. Eh bien, cette fraude-là serait sa dernière. Après avoir gagné à la loterie, Abraham Shakespeare s'achète une maison d'une valeur de 1,1 million de dollars dans une communauté protégée. C'est pratiquement comme s'il était passé de la rue au palais de Buckingham. Pour lui, toute proportion gardée, c'était le palais de Buckingham, comparé à tout ce qu'il avait connu avant. On est allé à la banque et je lui ai demandé pourquoi il avait pris une hypothèque pour payer sa maison. Pourquoi? Eh bien, c'était parce qu'il voulait consolider son crédit. Donc, il a souscrit une hypothèque pour sa maison. J'aimerais savoir une chose, Dee Dee. De quoi parliez-vous ensemble? Vous étiez amis, tu répètes à tout le monde que vous étiez de grands amis. D'accord, je veux bien le croire, mais je suis curieux. De quoi parliez-vous tous les deux? De toutes sortes de choses. De comment il se sentait maintenant que les gens s'intéressaient à lui. On vivait les mêmes choses. J'ai toujours eu de l'argent et il a vécu les mêmes choses que moi quand il a gagné le gros lot. Des amis sont sortis de nulle part. Do you get tired of people asking you for money all the time, Abe? They don't take no for an ounce or so. I just let them keep on and keep on acting. Quand quelqu'un gagne à la loterie, des gens surgissent soudainement en disant « Il faut protéger votre argent et j'ai ce qu'il vous faut ». Ils sortent de nulle part. Le problème, c'est que tout le monde le harcelait. Il se sentait pris au piège. This woman here, $2,000. You can call her ass up now. Well, wait, because I don't want to interrupt us. We got all of those. I'll call her now. You ain't interrupting us, call her now. Okay. Let her know if she don't make a payment, she will be subpoenaed to court. Tout le monde tend la main pour avoir sa part du magot. Alors que fait Abraham Shakespeare? Il commence à distribuer son argent. Well, they asked me why I'd want to buy your bad debts, and I told him I bought them from him because he can't collect anyways, and every time you try to collect, they threaten to kill you. So you're not ever going to get anything. It's ridiculous. Yes. Dee Dee Moore raconte qu'Abraham Shakespeare était déçu de sa vie de millionnaire parce que des gens qu'il connaissait à peine le harcelaient sans cesse pour lui soutirer de l'argent. Toujours selon Dee Dee, au début de l'année 2009, Shakespeare lui aurait demandé de l'aider à quitter la ville. So where do you want to go to? It don't matter to me. I'm not a picky person. En fait, Abraham m'a demandé d'encaisser son argent, c'est-à-dire l'argent qu'il avait transféré dans mon compte. Il n'avait rien. Non seulement il était pauvre, mais il n'avait ni instruction, ni expérience. Puis cette femme haute en couleur est arrivée et l'a pris sous son aile. Il n'avait aucune chance face à Dee Dee. Are you gonna miss your home? J'ai tout filmé parce que je voulais vraiment écrire un livre sur Abraham et je ne voulais pas qu'on puisse me poursuivre en affirmant que je l'avais mal cité. Dee Dee l'a manipulé pour le convaincre de tourner cette vidéo. En théorie, cette vidéo prouve qu'elle n'a jamais voulu lui faire de mal ou le faire disparaître. Donc, elle croit qu'elle a un alibi parfait, parce que c'est lui qui voulait disparaître. J'étais triste pour lui. Je connais cette sensation, je sais. Je sais que c'est difficile de dire non quand on veut aider tout le monde. Mais on ne peut pas sauver tout le monde, sinon il ne nous restera plus rien. What they do, count all your money up? That's what it seemed like to me they tried to do. What time fly? On ne sait pas ce qui s'est tramé en coulisses. On ne sait pas ce qu'elle lui a dit. Les dossiers de la Cour indiquent qu'en avril 2009, les actifs d'Abraham Shakespeare ont été transférés à Dee Dee Moore. Soudain, tous ces actifs sont transférés où? Dans la compagnie de Dee Dee Moore. Parce que je soupçonne que lorsque Dee Dee Moore a fait irruption dans sa vie, elle lui a dit « Je vais prendre le contrôle de tes actifs et je vais les faire fructifier pour toi. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter. » Elle l'a manipulé, voilà ce qu'elle a fait. Abraham encaisse tout son argent et il veut l'enterrer. Je ne veux pas qu'il fasse ça sur une de mes propriétés, mais il me supplie, et moi... Il insiste et il finit par me proposer 300 000 $. Bon, je me dis alors que ce serait stupide de refuser. Vraiment stupide. 300 000 $. C'est toujours bon à prendre, non? J'ai plein de propriétés. Alors pourquoi pas? Je l'ai laissé en choisir une. Elle prétend qu'Abraham Shakespeare voulait qu'elle prenne tout son argent parce qu'il devenait paranoïaque. Il ne voulait plus le laisser à la banque. Il voulait prendre tout son argent, creuser un trou dans une cour et le cacher là. Qui va croire une histoire pareille? Son argent, ses voitures, sa maison, tout ce qu'il possède est transféré à la compagnie de Dee Dee. Il lui signe une procuration et ensuite, devinez quoi? Boum! Abraham Shakespeare disparaît. Il y a tant de gens qui se disent « Bon sang, je voudrais tellement gagner le gros lot à la loterie ce soir. J'aimerais tant le gagner. » J'ai couvert de nombreuses histoires de gens dont la vie a été transformée, mais pas nécessairement pour le mieux, après avoir gagné à la loterie. Abraham Shakespeare a vu beaucoup de personnes venir frapper à sa porte. Donc, il n'a pas remarqué que le diable s'était invité chez lui. Il lui a ouvert la porte et il l'a laissé entrer. Abraham Shakespeare devient le centre de l'attention, pour le meilleur et pour le pire, quand il remporte le gros lot à la loterie. C'est une histoire qu'on a déjà vue au grand écran, comme dans le film Lucky, sorti en 2011, qui raconte les déboires d'un homme qui a gagné à la loterie. Selon les registres fonciers, 2 ans après avoir gagné plusieurs millions de dollars, Abraham Shakespeare vend la maison qu'il avait achetée et transfère tous ses actifs à Dee Dee Moore. Après cette transaction, il disparaît. Dee Dee habite dans la maison. Elle contrôle tout son argent et soudain, cet homme qui a gagné 17 millions de dollars à la loterie devient introuvable. Tous les soupçons se portent immédiatement sur Dee Dee. la famille d'Abraham a commencé à recevoir des textos provenant de son téléphone après sa disparition. Il en était soi-disant l'auteur, mais il était analphabète. Il ne pouvait pas écrire un texto. Ça faisait partie du complot. Il faut demander à Dee Dee. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Alors comment a-t-il pu envoyer des textos à partir de son cellulaire? Dee Dee Moore prétend ne pas savoir comment Abraham a pu envoyer des textos, mais elle réitère qu'à ce moment-là, elle ignorait où il se trouvait et avec qui il était. Elle affirme aussi n'avoir jamais été en possession de son téléphone cellulaire. En ce qui concerne son cellulaire, les policiers voulaient me faire admettre qu'il était en ma possession. Alors j'ai fini par dire, d'accord, si c'est ce que vous voulez, dites que j'avais son cellulaire. Le lendemain matin dans les journaux, on rapportait que j'avais son téléphone. C'est une blague? Dee Dee affirme que tout le monde est contre elle et qu'elle n'avait pas son téléphone. Vous savez, quand ça se corse, les meurtriers crient toujours au complot. Toujours. Le 9 novembre 2009, 8 mois après qu'Abraham Shakespeare a été vu pour la dernière fois par sa famille et ses amis, il est officiellement porté disparu par la police de Lakeland. Dee Dee Moore soutient qu'Abraham Shakespeare lui a demandé de l'aider à orchestrer sa propre disparition. Bon, Dee Dee. D'accord. Alors, je vais tout vous raconter depuis le début. Je vais tout vous dire. On va rester ici pour écouter ce que tu as à dire, d'accord? Mais arrête de nous faire perdre notre temps. C'est très compliqué et j'ai dit beaucoup de mensonges. J'étais effrayée et j'ai été stupide. C'est vrai, c'est ma faute. J'ai été stupide, je ne peux pas le nier. C'est entièrement ma faute, mais je n'avais jamais été dans une telle situation avant. Je n'ai pas de mobile, je n'ai aucune raison. J'aimais cet homme. C'est difficile, non seulement pour nous, mais pour n'importe qui, de regarder la situation et de croire que sa corvette, sa maison et tout le reste ont été transférés à ton nom. Et ensuite, tu viens nous dire qu'Abraham le savait et que c'était ce qu'il désirait. C'était pour pouvoir investir dans une compagnie, blablabla. C'est encore plus difficile à croire quand on tient compte de tout ce que tu as fait après le 6 avril pour cacher sa disparition, pour faire croire qu'il était encore en vie. Et ensuite, quand il est devenu évident qu'il était mort... J'ai déjà tout expliqué, j'y arrive justement. Au moment de la disparition d'Abraham, que raconte Dee Dee en gros? Elle dit, je l'ai aidé à disparaître, j'ai tout organisé pour lui comme ça, plus personne ne pourra l'embêter. Je pense sincèrement qu'elle croit que son histoire est vraie, même si elle sait que ce n'est pas vrai. Elle persistait à dire qu'elle ne savait pas où il était, qu'il était son ami. Quand les enquêteurs lui ont mentionné qu'il avait disparu, elle a dit « Je n'ai rien à voir là-dedans, c'est mon ami ». Dix mois après la disparition d'Abraham Shakespeare, Dee Dee Moore fait annoncer dans un journal de Lakeland qu'elle offre une récompense de 10 000 $ pour toute information pouvant aider à le retrouver. Dee Dee affirme qu'elle a aidé Shakespeare à organiser son départ, mais qu'elle a par la suite cessé de recevoir de ses nouvelles. Elle disait « Je suis désespérée parce que mon ami a disparu, je n'ai rien à voir là-dedans et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il a disparu et j'ai perdu contact avec lui, je n'arrive plus à le joindre. » C'était du délire. Les policiers ont reçu beaucoup d'appels dans cette affaire. Ils ont eu beaucoup de pistes, mais ils ne les ont pas suivis à cause de ma stupidité. À cause de mes mensonges, j'ai nui à ma propre enquête. J'ai nui à l'enquête. Au début de 2010, la mère d'Abraham Shakespeare rencontre Dee Dee Moore dans un restaurant pour discuter de la disparition de son fils. La mère d'Abraham reçoit l'appel d'un homme qui prétend être son fils. Sa mère reçoit un appel qui provient du téléphone d'Abraham Shakespeare mais ce n'est qu'un autre élément de cette vaste machination. Par contre, la question est de savoir qui est l'homme qui a appelé. Parce que l'homme qui a appelé fait partie du complot orchestré par Dee Dee Moore pour assassiner Abraham Shakespeare. Ce n'était pas prémédité. Je ne me suis pas dit un jour, j'ai tout son argent et dans 4 mois, je vais me débarrasser de lui. Il avait plus de valeur pour moi vivant. Il y a beaucoup de quartiers défavorisés à Lakeland. Beaucoup de gens sont aux prises avec la pauvreté. Ils sont nombreux à Lakeland, ceux qui aimeraient gagner le gros lot à la loterie. Mais un seul a eu cette chance. C'est un vrai conte de fées. C'est ce qu'Abraham Shakespeare a vécu. Il y a beaucoup de gens défavorisés comme lui dans la région de Lakeland. Mais lui, il était l'exception qui avait gagné à la loterie. Mais il y a beaucoup de gens comme lui qui vivent dans le désespoir et la misère. Cet homme, qui n'avait rien, devient multimillionnaire du jour au lendemain. Puis tout à coup, il rencontre une femme, Dee Dee Moore, et il disparaît. Depuis que je suis ici, j'ai rencontré des gens originaires de Lakeland, dont une fille qui m'a dit « J'habitais à Lakeland, Dee Dee ». Puis en pleurant, elle a ajouté « Je sais que tu n'es pas coupable ». J'ai demandé pourquoi, et elle a répondu « Parce que je connais une fille qui connaît l'homme qui l'a tuée ». Je lui ai demandé si elle était sérieuse, et elle a dit que oui. Mais je ne peux pas l'utiliser comme preuve. Mon procès est terminé. Presque tous ceux que j'ai interviewés en prison clament leur innocence. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas innocents. Neuf mois après la disparition d'Abraham Shakespeare, les membres de sa famille commencent à recevoir de mystérieux appels. L'homme qui est au bout du fil prétend être Abraham Shakespeare et il appelle même les enquêteurs pour leur dire qu'il est bel et bien vivant. Selon les dossiers de la cour, les policiers parviennent à déterminer la provenance de l'appel et à identifier son auteur. Il s'agit de Gregory Smith. Ce dernier prétend avoir été payé par Dee Dee Moore. Elle est allée trop loin. Elle a demandé à quelqu'un de se faire passer pour lui. Alors, ça a éveillé les soupçons. Quand j'ai connu Greg, il n'était pas content du tout parce qu'Abraham m'avait cédé son hypothèque. J'allais saisir sa maison parce qu'il accusait des retards dans ses paiements hypothécaires. Chaque fois que j'allais essayer de recouvrer mon argent, il avait toujours une excuse. À cette étape, les enquêteurs savaient une chose au sujet de Dee Dee Moore. C'était une menteuse et une manipulatrice. C'est un fait. Il a appelé à partir d'un cellulaire. Il savait que la police pouvait le retrouver. Il le savait. Il voulait que la police le retrouve grâce à son cellulaire parce qu'il voulait collaborer avec les policiers et détourner leur attention sur moi. Les tueurs cupides, quand on dresse un portrait global de leurs crimes du début à la fin, font toujours les mêmes erreurs. Vous savez pourquoi ils font toujours les mêmes erreurs ? Parce qu'ils ne pensent qu'à une seule chose, l'argent. C'est pour ça qu'ils font des erreurs. Et Dee Dee ne fait pas exception à la règle. Gregory Smith accepte de collaborer et la police lui demande d'enregistrer ses conversations avec Dee Dee Moore. Si vous enregistrez les propos de quelqu'un qui est plutôt loquace, c'est un atout en cours. Quand on entend l'auteur d'un crime passer aux aveux ou révéler un détail qui contredit son histoire, c'est très efficace devant un jury. La Floride est un des États qui utilise le plus l'écoute électronique. Je le constate dans de nombreuses affaires. Ici, c'est Gregory Smith qui dévoile à quel point Dee Dee Moore est rusée. it's most respectful to Shakespeare. I work just with the buddy. With $50,000, I work now. Just with the buddy. C'est ce qui a causé sa perte. Elle s'est prise à son propre jeu. Lors d'une conversation enregistrée, Gregory Smith propose son aide à Dee Dee Moore à condition qu'elle lui raconte ce qui est réellement arrivé à Abraham Shakespeare. Dee Dee Moore révèle à Smith qu'elle est impliquée dans la mort d'Abraham. C'est lui qui l'a proposé. Je lui ai demandé pourquoi je devais faire ça au lieu d'appeler la police. Gregory Smith a été très rusé dans toute cette affaire parce qu'il a battu Dee Dee à son propre jeu. C'est vrai, elle croyait pouvoir le duper, mais c'est lui qui a fini par la duper. Greg m'a fait marcher. Il m'a mené en bateau. Elle a offert $50,000 à Gregory Smith pour qu'il se débarrasse du corps d'Abraham à sa place. Et voilà. Ils auraient pu continuer à l'enregistrer pendant 3 semaines et l'écouter pendant 2000 heures parler pour ne rien dire, mais elle a fait cette révélation choc. Selon les rapports de la police, les autorités enregistrent le 25 janvier 2010 une conversation entre Dee Dee Moore et Gregory Smith, au cours de laquelle elle révèle que le corps d'Abraham Shakespeare est enterré dans sa cour, sous une dalle de béton. Dee Dee est prise en filature et les policiers la surprennent en train d'acheter des pelles, des bâches de plastique et du javelisant. Ils en déduisent qu'elle a l'intention de déménager le corps de sa victime. Le lendemain, les policiers procèdent à l'excavation de sa cour. Gregory Todd Smith est le témoin clé de cette affaire. Mais vous avez acheté une pelle et tout le matériel requis et vous les avez donnés à Greg Smith pour qu'il déterre le corps. Oui, mais c'est ce que je voulais leur faire croire. Je ne pensais pas que le corps était là. Je voulais que les policiers le croient. Je voulais voir ce que ça ferait. Et s'ils sont tombés sur le corps, ils n'avaient qu'à appeler le bureau du shérif. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais quelqu'un doit payer par contre. Moi, je ne voulais pas qu'ils croient que je cherchais à dissimuler un meurtre. Dee Dee essaie de rattraper son erreur. Mais elle n'y arrive pas. Il n'y a qu'une conclusion possible. Quand on s'attarde uniquement aux faits dans cette affaire, ça devient évident. Ça saute aux yeux. Elle a tout orchestré. Elle a obtenu cette procuration, elle a pris possession de ses actifs et elle l'a assassiné. Dee Dee clame son innocence. « Je suis innocente, j'ai été piégée, c'est un complot. » Mais il y a un gros problème. Elle sait où se trouve le cadavre d'Abraham Shakespeare. Comment a-t-elle pu le savoir? La seule raison qui peut l'expliquer, c'est qu'elle a participé au crime. Vous pensez que j'ai pris un pistolet et que je l'ai abattu? Lily, vois le bon côté des choses. Si tu peux me convaincre, tu peux convaincre tout le monde. Après son arrestation, je me souviens de cette femme haute en couleur. Et je ne croyais pas un seul mot de ce qu'elle disait. Elle m'est apparue comme quelqu'un de peu fiable, de peu crédible, de malhonnête. Par contre, elle semblait réellement croire à son histoire. J'ai croisé plusieurs personnes comme elle au cours de ma carrière. Ce n'est pas difficile de comprendre que Dee Dee Moore a lu dans le journal qu'un homme avait gagné $17 millions et qu'elle a alors décidé de tenter de le séduire pour lui prendre tout son argent. Peut-être qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer, mais en tout cas, il est mort. Dans le film sorti en 2010, Lottery Ticket, un homme issu d'un milieu défavorisé gagne à la loterie et tout le monde cherche alors à lui soutirer de l'argent. Il n'avait pas un sou et le lendemain, il avait $17 millions. Alors tout le monde s'est pointé pour avoir une part du gâteau. L'argent transforme la personnalité des gens. Ils changent et leur façon de penser change aussi. Né dans la pauvreté, Abraham Shakespeare devient multimillionnaire du jour au lendemain. Le 6 janvier 2010, 10 mois après qu'il a été vu pour la dernière fois, les policiers découvrent son corps enterré sous une dalle de béton dans la cour de Dee Dee Moore. On a eu les réponses à plusieurs de nos questions. Alors c'est maintenant le temps de tout révéler et d'aller au fond des choses. La question que je poserai à Dee Dee, c'est... Dee Dee, tu persistes à dire que tu n'as rien à voir là-dedans? Alors comment son corps a-t-il abouti dans ta cour? il y avait tout de même un corps dans votre cour. Et il ne cessait pas de me le dire, alors comment pouvait-il le savoir? J'ai été piégée parce que je crois qu'il était impliqué. Je voulais savoir qui était impliqué. Elle tourne en rond, vraiment. Elle a l'air d'une enfant. Elle a l'air de quelqu'un qui est quoi? Coupable. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y en a pas. Certaines des choses que tu as dites sont peut-être vraies. Mais tu ne nous as pas tout dit. Je peux t'assurer que... Regarde-moi dans les yeux. Ne baisse pas les yeux. Regarde-moi quand je te parle, d'accord? Tu ne l'as peut-être pas tué. Mais je suis convaincu que tu es impliqué, d'accord? Et que c'est toi qui as tout orchestré, d'accord? Je ne croyais pas un mot de ce qu'elle racontait. J'ai menti, je n'avais pas le choix. Je le reconnais, je le regrette. J'ai fait une erreur. Je les ai laissés enterrer l'argent sur une de mes propriétés. Je ne croyais pas que c'était illégal. Je n'ai pas pensé aux conséquences. C'était stupide de ma part. Mais est-ce que je mérite de passer le reste de ma vie en prison pour une histoire de meurtre dans laquelle je n'ai rien à voir? Absolument pas. Quand le corps d'une victime de meurtre est enterré dans votre cour, c'est que vous êtes probablement le meurtrier. Mais que fait Dee Dee? Elle essaie de s'en sortir, mais c'est impossible. Avant d'appréhender Dee Dee, les enquêteurs ont retrouvé son ex-mari, James Moore. Il affirme qu'elle lui a demandé de creuser un trou dans sa cour avec sa rétrocaveuse, mais il ignorait que c'était pour y jeter le corps d'Abraham Shakespeare. Tu as demandé à James, ton ex-mari, de creuser un trou? James Moore a creusé un trou. Je le sais, d'accord? Et lui aussi, il le sait. On sait tous ce qui est arrivé. J'ai fait verser du ciment sur l'argent pour le protéger de l'eau. Je crois que c'est une menteuse pathologique typique. Elle croit à tout ce qu'elle dit, même si c'est invraisemblable. Je pense qu'elle croit sincèrement à tout ce qu'elle raconte. Peu importe les faits précis ou ce qui est arrivé dans le passé, la vérité, c'est ce qu'elle dit dans le moment présent. Ils pensent que vous croyez ce qu'ils disent. Tout ce qui compte pour eux, c'est de se dire « je l'ai convaincu. J'ai réussi à lui faire gober mes mensonges. » D'accord? Et ils sont satisfaits. Ils retournent dans leur cellule. Ils mettent leurs bras derrière la tête et le soir venu, ils se couchent. Quand les faits sont irréfutables, la vérité éclate, surtout dans ce cas-ci. Les faits sont les faits, ils ne changent pas. L'histoire de Dee Dee Moore, elle, elle change constamment. Ils ont creusé sous le béton. Ils ont creusé pour récupérer l'argent, puis ils ont mis le corps dans le trou. Si vous consultez le rapport d'autopsie, vous allez voir qu'il a été trouvé en position fétale, ce qui indique qu'ils l'ont probablement poussé. Du moins, c'est ce que les avocats en ont déduit. Quand je vais obtenir mon nouveau procès, on va démontrer qu'il a été poussé dans le trou. Le trou dans lequel Abraham a été trouvé hier, c'est le seul qui a été creusé à cet endroit. On a fait venir des anthropologues judiciaires, on a pris des photos et filmé des vidéos. Un seul trou a été creusé à cet endroit, et c'est celui dans lequel on a trouvé le corps d'Abraham Shakespeare hier matin. Dans les faits, elle lui a tiré 2 balles dans la poitrine, avec un pistolet de calibre 38. On a trouvé du sang sur le tapis. Ensuite, elle l'a jeté dans ce trou comme un sac d'ordures. Elle l'a enseveli. Elle a demandé à quelqu'un de couler du ciment par-dessus. Et elle est partie comme ça, avec son argent dans ses poches, en croyant pouvoir s'en tirer. Vous voulez que je vous dise que je mens? Il est innocent, alors vous allez mettre un homme innocent en prison. Mais toi, tu n'es pas innocente. Pas toi. Vous voulez que j'avoue? Tu ne l'es pas. que j'ai payé un faux pour tuer Abraham et ce n'est pas vrai. Je ne paierai jamais pour faire tuer quelqu'un pour une foutue question d'argent. Alors, c'est quoi la vérité? Tu l'as tué toi-même? Dee Dee Moore est une menteuse pathologique. Elle ne peut pas dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait plus la reconnaître. Les deux meilleurs bureaux de shérif du sud de la Floride sont sur cette affaire. Alors tu ne pourras pas t'en tirer. Tu ne pourras pas t'en tirer. Le livre est ouvert et on connaît l'histoire. On l'a tous lu. Elle est presque comme le personnage de John Lovitz dans Saturday Night Live qui disait toujours « Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. C'était un menteur pathologique. Attendez, attendez, j'en ai une autre pour vous. » Tu sais aussi bien que moi qu'Abraham Shakespeare a été tué dans la nuit du 6 avril, d'accord? C'est vrai ou c'est faux? On va y aller pas à pas, comme si on apprenait à marcher. Est-ce que l'enquêteur Wallace a raison? Le 6 avril? Le 6 avril, et tu le sais. 2009, le 6 avril 2009. Non, je vous l'ai dit, il faut attendre de connaître l'heure de la mort et la comparer avec ce que vous avez. Le 6 avril. On n'est pas dans une série télévisée ici. Enterrer un homme dans sa cour, le recouvrir de béton, conduire et garer sa voiture dessus ou son bateau, ça démontre de l'insensibilité. Ça démontre de la haine pour autrui et une absence totale de compassion. C'est le temps de passer aux aveux. Je suis sérieux. On a fini de jouer. Je n'avais pas peur d'être accusé de meurtre. Je savais que je ne l'avais pas tué. Je ne crois pas un mot de ce que Dee Dee raconte. Elle essaie de s'attirer la sympathie en faisant croire qu'elle a été piégée et que c'est pour ça qu'elle a des ennuis avec la justice. Elle change sans cesse sa version des faits. Pourquoi? Pour qu'elle corresponde aux preuves qu'ils ont contre elle. Mais tout compte fait, c'est elle qui s'est mise dans cette situation et elle ne pourra pas s'en sortir. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi cet homme a été tué sur ta propriété, d'accord? Après la découverte du corps d'Abraham Shakespeare dans la cour de Dee Dee Moore, cette dernière raconte aux enquêteurs les circonstances de sa mort au cours d'une discussion sur une base volontaire. Elle leur explique d'abord qu'Abraham a été tué lors d'une transaction de drogue qui a mal tourné. Le trafiquant m'a menti. Dee Dee. Je me fiche de ce que vous pensez. Dee Dee, arrête. D'accord, alors arrêtez-moi si vous me croyez coupable. Dee Dee. Arrêtez-moi et une innocente va se retrouver en prison. Dee Dee, arrête une minute. Est-ce qu'il y a des preuves de cette transaction de drogue avortée? Non. Alors ensuite. J'ai menti. Je vous ai dit que j'avais menti. Pourquoi m'ont-ils menti? Ils n'avaient aucune raison de le faire. J'ai beaucoup menti et je vous ai dit que je mentais. Je n'ai pas menti puisque je vous ai dit que je mentais. Réfléchissez. J'avais des raisons de mentir. Ils menaçaient de tuer mon fils. Mon fils! Mon fils! Dee Dee est extravagante. C'est une actrice. En quelque sorte. Les policiers réfutent vite son histoire de drogue. Alors, Dee Dee les oriente vers le cousin d'Abraham Shakespeare, un dénommé Cedric. Dee Dee, on sait que Cedric n'est pas impliqué. Il me faisait peur. Vraiment? J'ai découvert que ce n'était pas lui, mais... Il y a 5 minutes, si je ne t'avais pas dit qu'on avait des enregistrements, tu aurais accusé Cedric. J'aurais pu leur dire qu'un éléphant rose avait fait le coup. Les meurtriers comme Dee Dee Moore, quand ils sont confrontés aux faits, quand ils sont confrontés aux preuves, essaient toujours de trouver des explications parce qu'ils sont convaincus de pouvoir s'en tirer. Au fil des jours, durant son interrogatoire, Dee Dee présente de multiples versions des faits et d'après elle, elles sont toutes vraies. Elle avance même qu'elle aurait été menacée par un agresseur inconnu et que son fils aurait tué Abraham Shakespeare pour la défendre. Dee Dee, raconte-nous ce qui s'est passé. N'essaie pas d'inventer des histoires. Je vous ai expliqué exactement ce qui était arrivé, mais je ne vous ai pas donné de nom. Pourquoi tu ne donnes pas de nom? Je vous ai toujours raconté la même histoire. J'ai seulement omis les noms. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est toujours des versions différentes. Ronald, puis Cedric. Puis ci, puis ça, et encore autre chose. T'as même déjà mentionné ton fils. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez parlé de votre fils aux enquêteurs? Non, quand? J'ai vu la vidéo où vous en parlez. Quelle vidéo? Qu'est-ce que... La vidéo de l'interrogatoire. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? Que votre fils avait tué Abraham pour vous protéger. Mais je l'ai dit... De quelle manière? Tu serais prête à détruire la vie de ton fils? Il ne sera plus jamais le même. Je sais. Il ne sera plus jamais le même à cause de toi. Mais il le sait. À cause de toi. Et le pire, c'est que tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Tu ne te préoccupes que de toi. Non! Tu ne te préoccupes que de toi. Tu es la femme la plus égoïste que j'ai jamais vue de ma vie. Non, mon fils n'a rien à voir là-dedans. Elle jette son propre fils, la chair de sa chair, dans la fosse au lion. Et qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Ensuite, elle prétend qu'elle n'a jamais dit ça. Attends un peu. Ça a été filmé. Oh, s'il te plaît, Didi. J'y arrive. Je leur ai dit que s'ils protégeaient ma famille, je leur dirais tout ce qu'ils voulaient savoir. Protégez ma famille, je vous dirai tout. Les individus qui ont creusé le trou ont menacé mon fils. Elle a beau mentir, tous les éléments à charge désignent une seule personne, Dee Dee Moore. Elle a tué Abraham Shakespeare. Il n'y a qu'une seule personne qui avait un cadavre enterré dans sa cour. Il n'y a qu'une seule personne qui savait exactement où il était. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut répondre à nos questions. Ouais, Dee Dee Moore. C'est toi. Vous savez que je ne l'ai pas tué. Non, je ne le sais pas. Je l'ignore. Non, n'essaie pas de me faire dire que je le sais, je ne le sais pas. Je ne resterai pas ici à me faire dire « Allez voir un tel, il va vous dire que je ne l'ai pas tué. » Moi, je crois que tu l'as fait. Le 10 décembre 2012, 4 ans après la rencontre de Dee Dee Moore et d'Abraham Shakespeare, Dee Dee est accusée de meurtre et condamnée à la prison à vie. Les libérations conditionnelles étant interdites en Floride, Dee Dee passera le reste de ses jours derrière les barreaux. Malgré le verdict de culpabilité et des preuves accablantes, Dee Dee Moore continue de clamer son innocence. Pourquoi je continuerai à mentir si je n'ai rien à voir avec ce meurtre? Vous refusez de croire que ces personnes existent?